Coucou la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Oui, de mon côté, tout va bien. Alors les amis, je vous retrouve encore dans cette nouvelle vidéo dont je vous partage notre journée de fête de mère. Voilà, donc là je suis en train de laver ma viande de côte à braiser de bœuf. Voilà, donc je les lave avec du vinaigre. Ensuite, je vais les mariner. Alors, avant que je marine ma viande, je vais mariner d'abord mes poulets que j'ai déjà lavé aussi avec du vinaigre. Là, c'est mes poulets, les cuisses de poulet. J'ai enlevé la peau, hein, voilà. Mon poulet est propre. Et là, j'enlève maintenant l'excédent d'eau avant de passer à la marinade. Pour notre marinade, on aura besoin de l'ail en poudre. Vous pouvez mettre l'ail frais aussi. Du gingembre, j'ai mis en poudre. Vous pouvez mettre frais aussi. Des paprikas fumés. Voilà. Ensuite, je vais mettre mes épices de poulet de Montréal. Ensuite, je vais mettre la moutarde en poudre. Vous pouvez mettre en pâte aussi et je mets aussi de la muscade. Ensuite, je vais rajouter mes mélanges des légumes que je fais hein, à base des poivrons verts, poivrons rouges, de gingembre, l'ail, de persil. À chaque fois, je vous montre mes épices parce que je sais qu'il y a tous les jours des nouvelles personnes sur ma chaîne. Voilà. Aussi, j'essaie un peu de changer hein, pour changer un peu de goût dans mes viandes pour ne pas juste manger la même chose en fait. Alors, voici le résultat de ma marinade de mon poulet très bien mariné. Voilà, je vous dis les amis, cette recette est tellement facile, vraiment. Là, je vais laisser reposer pendant quelques minutes parce qu'il fallait vraiment que je fasse le barbecue. Donc là, on passe avec notre viande déjà lavée. Je vous ai montré, hein. Donc c'est parti, je vous mets encore, ben c'est presque les mêmes épices, hein, vraiment. Il n'y a pas une grosse différence par rapport aux épices. Ma viande de bœuf est très bien marinée avec les épices vraiment simples. Voilà, hein? Je pense que la plupart de vous en ont à la maison. Très simple, comme je vous ai montré, j'ai pas eu besoin de les laisser reposer comme le poulet parce qu'il fallait vraiment que je fasse le barbecue. Barbecue time! Un peu de barbecue, pourquoi pas pour la fête des mères, on va en profiter hein. Ici au Canada, là, quand il fait froid là, des fois on fait même pas de barbecue à l'extérieur vu qu'il y a la neige. Au printemps là, déjà je commence au printemps à faire de barbecue parce que là trop pressé en fait, je suis trop pressé. Regardez moi mes viandes bien marinées hein, trop tendres. Voilà. Et maman Sarah prépare toujours, hein, toujours. Le beau pas maman, hein. Le beau pas maman Sarah est... Et appelez-moi pour tous vos événements. Mangez bien, mangez bon. Voilà. Bon, mais le beau quand il est... C'est l'occasion, il est... C'est l'occasion, les amis. Voilà. On rajoute un peu de... des épices, hein? On rajoute un peu, hein? Mm-hmm.
L'odeur de ça, oh là là. Je vais faire ça comme ça. Ça prend juste de la fumée. Ensuite, je vais mettre ça dans le four. Voilà. Ça, c'est déjà. C'est bien d'ici là, ça coûte tellement vite parce que c'est mince. Mes crevettes déjà marinées, hein? Donc je vais juste mettre dans le barbecue pour donner un peu ce goût là du barbecue. Les amis, Joshua, c'est ça. Autre chose, vous pouvez bien les mariner encore, mettre un peu d'ail, mais moi j'aime le goût, donc c'est pas la première fois. Donc moi je vais mettre comme ça parce que là je n'ai pas le temps. Et ça pour que mes crevettes ne puissent pas aller dans le barbecue. Maman et oh bah non, ça va aller là-haut. Ce sont des crevettes papillons. Là, je vous présente mes viandes cuites au barbecue. Oh my God, les amis, regardez-moi ces plateaux de viande. Hey! Hein? Ces plateaux ici. Voilà, c'est notre table de fête des mères. J'ai voulu faire plaisir à mon mari, à mes enfants. Voilà, je me suis dit, pourquoi pas vous faire ces petits plats pour cette merveilleuse journée que je ne devais rien faire. Mais bon... Je me suis réveillée, j'ai dit, mais pourquoi pas le faire plaisir? Voilà, comme ça on a le plantain ici, on a les pommes de terre sautées, notre plateau de viande, le poulet, le crevette, un peu de citron à côté. Eh mon Dieu! Alors ça c'est la salade de choux, hein, notre plateau de viande, le plantain, les pommes de terre sautées, le jus de punch, on a un petit plateau de fruits ici, donc là on passe à la table, on avait tellement faim, quand on dit là, hein, on avait tellement faim, là c'est vraiment qu'on avait faim. Ils avaient hâte de manger, hein, la bonne nourriture des mamans. Voilà, donc bon appétit à nous. Hein. Thank you, Lord.
love you guys. For everything. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Mother's Day. No. Ok la famille, c'était vraiment notre journée de fête des mères. Aussi, j'avais reçu des cartes de papa, des cartes des enfants avec des fleurs. Oh my god, ça m'a tellement touchée, leurs petits cadeaux là. Oh, ça me fait tellement du bien. Ce genre de moments, c'est précieux pour nous. On parle, on rigole. Ça fait toujours plaisir de passer des moments en famille. Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager aussi, cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien manquer. Je vous envoie des gros bisous. Bonne fête!